Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Eve Cholet et aujourd'hui on se retrouve pour la plus grosse vidéo sur YouTube, ma vidéo spéciale 100 abonnés. Donc c'est une tentative médaille vicieux avec 36 gun streak. Je ne vous dis pas si la DNA est faite, en tout cas la vicieux est faite. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo particulière parce que je vais vous faire une vidéo tuto. Donc c'est une vidéo que je tiens vraiment à cœur pour vous vraiment vous aider à rentrer dans ce nouveau Call of Duty et à faire beaucoup plus de kills, à augmenter votre ratio. Donc c'est pas un gameplay reverse boost, ça je tiens à le préciser. Donc j'ai 1,3 de ratio, donc c'est vraiment pas pour faire du RB. Moi je déteste le RB, j'ai même pas de compte, j'ai jamais essayé. Donc juste pour ça, donc pour avoir ces kills streak plus rapidement, je vous conseille vraiment une arme très maniable que vous gérez bien. Donc je vous conseille vraiment l'AK-12 ou la Vol 27, surtout les AR parce que les SMG en domination c'est pas top. Après, donc pour avoir les points plus rapidement, je vous conseille vraiment de mettre points bonus sur votre drone. Et si vous avez des systèmes piratage, je vous conseille vraiment de les mettre. Parce que dès que quelqu'un fait un kill, ça vous fait 30 points en plus pour vos score streak. Donc c'est très pratique. Et donc parlons un peu du mode de jeu qu'il faut faire pour pouvoir avoir ces kills streak plus rapidement. Donc déjà, il y a deux modes de jeu vraiment principaux. C'est le C. Et bien sûr la domination, parce que maintenant la domination, quand on prend une position, ça fait 200 points d'XP et quand on fait un kill maintenant c'est 100 points, donc ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, donc faut vraiment jouer l'objectif, essayer de prendre le plus de drapeaux parce que comme ça vous débloquerez vos kills streak beaucoup plus rapidement. Donc voilà, c'est un point que je voulais aborder sur ces kills streak. Maintenant, je vais parler de comment avoir une médaille vicieuse beaucoup plus rapidement. Bah, ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant. Déjà, mettre des killstreaks qui font des kills, qui font pas que gêner les ennemis et pouvoir faire plus de kills. Bon, moi, par exemple, je mets pas le système piratage. Maintenant, je mets plutôt le drone et le drone d'assaut parce que pour les séries, comme ça, vous mourrez pas avec le bombardement. Ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois, à la faille à 25 parce que j'avais mon bombardement avec qui je me suicidais. Donc voilà. Donc je vous conseille vraiment de mettre le drone d'assaut avec les roquettes. J'ai mis les roquettes, camouflage et l'automatique. Parce que vous allez voir, des fois ça va me sauver un peu et c'est très puissant. Après, au niveau des skills streak, comme tout le monde, je mets le Warbird avec agresseur et temps bonus parce que ça va beaucoup plus vite. Et donc je vais vous présenter aussi ma technique de spawn trap AC que vous allez voir va beaucoup m'aider. Donc c'est une technique très facile, en fait vous vous mettez sur ce bâtiment et les ennemis vont respawn en dessous, ça va beaucoup me servir. Bon, là à partir d'un moment, eh ben, je vais prendre C, comme vous allez le voir, grâce aux positions que j'ai prises, ça m'a fait déjà 200 points et j'ai encore pu débloquer mes streaks. Donc franchement une technique très très simple à faire et pour la vicieuse c'est encore plus pratique. Donc je tiens à préciser que c'est ma première vicieuse sur Advanced Warfare. J'étais super content de la faire en domination, parce que faire des vicieuses en infecté, j'en ai fait, mais c'est franchement... Il n'y a pas de mérite. Mais franchement là je suis vraiment content de mon gameplay. Ça bouge quand même assez. Et puis c'est pas trop de la camp. Donc là je vais bientôt arriver en impitoyable déjà. Donc ça va aller vite. En parlant du gameplay, je joue avec l'AK-12 silencieux, chargeur de grande capacité avec la poigne ergonomique. Je joue avec la toupe pillard. Je mets aucun exo. En atout 3, je mettais pillard, bien sûr. Je mettais pas impulsion furtive. Je mettais robustesse pour les 1v1, qui est beaucoup plus pratique. donc là, vous allez voir ma technique de spawn trap. Donc, technique très facile. Regardez, là, il respawn juste ici. Mais genre, le spawn est vraiment bizarre sur ce mode de jeu. Donc, c'est pour ça que je joue vraiment dessus. Donc là, regardez, je reprends encore une position. Et hop, j'ai encore mes strips. Donc c'est pour ça qu'en domination je joue beaucoup dessus, c'est que les points vont très vite et puis ça va super vite. Donc un petit spot sympa aussi là sur B, vous pouvez tirer à travers le mur, je sais pas si vous connaissez mais ça sert vraiment. Donc là je me disais, j'ai eu un peu beaucoup de bol, j'ai eu beaucoup de bol parce que je pensais pas au début que ça marchait. Et donc là bientôt ma vicieuse va arriver, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc je crois que j'ai dû la faire en même pas 3-4 minutes, donc je trouve ça assez rapide pour une vicieuse. Parce que vu que j'ai fait 36 gun streak, je pense que c'est pas mal. Là j'ai vraiment assuré mes kills, je voulais pas du tout la rater.
Parce que j'en ai fait le 4-5 déjà et je voulais pas vraiment les foirer. J'ai fait deux, je crois que j'ai déjà fait deux brutal fails. Donc je voulais vraiment l'assurer. Et donc là, consécration. Là, j'ai ma médaille vicieux. Donc là, j'étais super content, vous pouvez même pas imaginer. J'ai sauté partout et tout. En plus, là, je suis une petite coiffure sympa. Avec le drone d'assaut et le Warbird, ça fait vraiment des kills. Ce qui est bien avec le drone d'assaut, c'est qu'il tient vraiment super longtemps. Donc ça, c'est vraiment un super kill streak. Parce qu'il fait pas mal de kills et il coûte pas très cher par rapport au Warbird ou au bombardement. Parce que moi, je mets le double bombardement et ça coûte vraiment cher. Là, c'est pas très cher et ça fait vraiment beaucoup de kills. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous parler pour faire une médaille vicieuse. Et vous mettez votre Warbird, votre drone d'assaut et tout ira bien. Donc merci vraiment les 100 abonnés, ça me fait vraiment plaisir parce que là ma chaîne s'agrandit, on atteint bientôt les 105 abonnés. Beaucoup d'abonnés maintenant se sont abonnés à moi, il y en a quand même une grosse dizaine je veux dire. Et donc là je crois que je vais être à 35 à peu près. Le gameplay va bientôt toucher à ce membre parce que je vais pas faire beaucoup de kills après. Donc bah voilà, les abonnés vraiment je remercie. C'était où j'ai vraiment beaucoup joué avec eux, c'est Vidix et il y avait un autre. C'était XOXXORXXX, je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà les gars, le gameplay tout s'achève à fin. Vraiment, j'ai fait un superbe gameplay. Je vous remercie vraiment 100 abonnés, c'est vraiment énorme pour moi. Donc je finis sur un score de 57-3, un énorme gameplay. Je vous précise que c'est pas du reverse boost. Et puis voilà. Les gars, je vous dis à la prochaine, c'était F Cholet. Et puis à la prochaine, allez, ciao, bye bye.